on est à Marseille. On est venu là pour s'entrer pour une petite semaine là et bon bah on est dans des super conditions pour l'instant. On a réussi à faire des putains d'images sur l'eau. Donc voilà, donc là toujours entraînement avec l'équipe de France, avec Nicolas Charbonnier toujours. On s'entraîne pour la prochaine compétition qui a lieu à Palma. Donc voilà, donc là derrière on peut voir Marseille. Et voilà, c'est la soirée quoi. De Marseille. Petit Noé. Tu as vraiment à dire Noé. Bah écoute, je crois qu'on est pas mal heureux quand même. On peut au moins dire ça, avant tout. Donc là, on a pas mal bronzé hein, d'ailleurs pendant cette session, hein. Quand même. Qui finit par une bonne partie de pêche. Demain, beaucoup de vent. Hein. Je pense qu'on aura un petit aperçu des conditions demain. Vent d'est à Marseille qui va être très fort. Donc voilà, rendez-vous demain. Allez. Excellent! Le bordel, putain, il est tellement gros quoi! Excellent! C'est un des plus gros prises! Don't be so. Don't be so lula. Bon, passion. Mais bon, il vient du jardin à papa. Dans le manguier de papa à la Réunion, direct. Grande vanille. La vanille de Saint-Philippe, énorme, les meilleures vanilles du monde. Un délice. Poire cannelle, les cannelles, marché de Saint-Paul. À la Réunion, dans l'Ouest, marché de Saint-Paul. Cannelle, un délice. Celui-là, c'est mon favori. Le litchi. On a mis 4 heures de route pour aller au sud de l'île. Et on est allé cueillir nous-mêmes les litchi, quoi, dans les arbres. C'était énorme. Les plus beaux litchi du monde. Sucré, tout juteux et tout quoi. Ah, délice. Après, ça, c'est les romos épices. Déjà, là, ils font plus de peur, ceux-là. Hein. Genre cannelle. C'est pas trop ce que c'est, ça. Cannelle, agrumes, citronnelle, orchidée, quoi. Je veux voir un peu l'esprit. On lui a fait un verre quand même. Bournier Family. Santé. Allez. Excellent.